Salut à tous, aujourd'hui on va faire le test Hot Wheels Unleashed sur Xbox Series X. Alors c'est un petit jeu de voiture, vous allez voir, c'est un jeu assez connu, enfin la marque assez connue, c'est tout ce qui jouait, tout ce qui est voiture, tout, vous allez voir. On va montrer ça de suite les amis. Alors là, on va ouvrir le coffre, on va voir ce qu'il nous donne. C'est des nouvelles voitures, ah, un succès les amis déjà. Toute première. Ah, j'en ai d'autres, on va ouvrir tous les packs. Ah ça c'est pas, par contre ça c'est pas mal, tout. Ouh, les bonnes petites voitures. On reconnaît quelques voitures aussi, si vous avez eu plus jeune la chance de jouer à ces petites voitures. On reconnaît celle-là. Je l'avais une comme ça, toute petite comme ça. Ça remonte bien un bail. Ouh, putain. Alors, on voit la vitesse, la puissance, freinage, tout. On va voir si ça sent pas mal. Par contre, quand vous allez télécharger le jeu, vous allez voir qu'il y a pas mal de petits DLC avec, qui sont gratuits, parce que si vous le jeu est gratuit, c'est sur le Game Pass, vous aurez pas mal de petits DLC gratuits avec, ça c'est assez cool. Voilà. Alors après, est-ce qu'il faut les débloquer pendant le jeu, ça je ne sais pas. Alors là on va choisir une voiture, je prends laquelle, j'ai bien envie de prendre celle-là. Hop, alors facile, on va mettre les circuits, en l'air assez sympa, j'espère que la jouabilité est pas mal aussi. Ah, toutes les bagnoles, tout. C'est pas mal. Voilà. Le circuit, tout. On va voir si la jouabilité, suit. En même temps, oh, les circuits ont l'air vraiment bien. Allez, c'est parti. On a pris notre petite Jeep là, trafiquée. Alors, je vais essayer de voir s'il y a d'autres vues. S'il y a une vue intérieure, je ne sais pas. Je pense pas quand même. Sur le turbo, on a. Alors, est-ce qu'on a d'autres vues? On a une vue sur le côté. Alors, déjà, ce qui est bien, c'est qu'il a l'air assez fun, assez rapide. Alors, au début, il y a un petit tuto pour nous expliquer comment ça marche. Hop. Ouais, il est pas mal, hein, il est assez fun. Tout. Il y a un mode turbo, un monde. Hop, le boost. Dire un petit peu à la Mario Kart, un peu le style, petite glissade qui vont avec. Graphiquement il est super beau quand même, il est pas mal. Oh. C'est un bon petit jeu de voiture propre, on va dire. Ce qu'on demande c'est qu'il soit fun, et pour l'instant il est assez fun le jeu. Par contre le seul bémol c'est qu'il n'y a pas de vibration, c'est un petit peu le bémol du jeu. Oula. Ouh, j'arrive en plein vol là. Ouh là, je me suis foutu en l'air les gars. Ah non, j'ai réussi à passer. Et il a pris en compte. Ah bah nickel. C'est bon ça. C'est un sort que vous arrivez à vous remettre sur la route. Petite araignée là. Ouh là, je me suis chopé le truc. L'araignée. Et j'ai pas vu qu'il y avait des petits pièges. Alors, je pense qu'au fur et à mesure, on doit gagner des points pour gagner nouvelle bagnole pour acheter, surtout comme je vous dis c'est une marque qui était assez connue à l'époque. Bon, elle est toujours aussi connue, mais c'est vrai que surtout pour les, c'est pour les enfants, tout ce qui est voiture comme ça, de jouer. Je sais qu'ils avaient sorti des jeux à l'époque dans cette console, mais celui-là il a l'air vraiment pas mal. Comme je vous dis, il est gratuit sur le Game Pass si vous êtes sur Xbox. Il y a pas mal de petits DLC avec. Ils ont donné. Les voitures de Marvel, j'ai vu. Il y avait Batman, Wonder Woman. Après, je sais pas comment les débloque. S'il faut faire des courses ou si on peut les avoir de suite. Je ne sais pas. Je vais aller voir après ça, s'il y a un garage. Là, je pense que c'est juste le début pour nous montrer le tuto. Jeu. Essayer de prendre le tremplin. Il y a combien de tours? Il y a 3 tours, ouais. Nickel là. Bon, elle est pas trop dur encore, ça va, le circuit. À mon avis, il doit en avoir plus dur après, je pense. On va essayer de pas se faire attraper là. Je sais pas ce que c'est, ce champ électrique là. Autour des pneus, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai pris une petite avance.
Allez, c'est reparti. C'est pas mal fait le monstre. Ah, c'est dommage qu'ils aient pas mis les vibrations sur l'homme, on aurait senti le boost, ça aurait été vraiment sympa. Par contre, un multi, ça doit être assez cool. J'espère qu'il y en a un, par contre, je ne sais pas. Je vais aller voir ça après. Checkpoint. Checkpoint. Une petite glissade qui vient. Ah si, il y a des petites vibrations, mais vraiment, tout pédé. J'ai vu là. Hop, alors on les sent là, c'est dommage, quand on met le boost on le sent pas par contre. Ah, là je l'ai senti un peu. On sent que la voiture elle est un petit peu trop légère. Un petit peu dommage. Hop, je fais un drift. Oh là là, je me suis complètement raté là. Oh putain. Elle a fait une vitesse assez cool. Putain, comme par hasard. Non, j'espère qu'ils vont pas arriver les autres derrière. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas les chronos. On les voit sur le côté à gauche, mais on voit pas le chrono des autres qui ont fait un tour. Après, ça reste, c'est vrai, assez arcade quand même. Mais il est cool, il est sympa. Yes. Ah, les photos elles sont vraiment belles. Recommencer, continuer. Alors, on va continuer, on va voir. J'ai dû débloquer d'autres bagnoles. Ça, c'est par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'on débloque d'autres bagnoles, on dirait. Potentiel limité, remporter la course rapide et circuit. Allez, un autre succès. Je pense que les succès doivent être assez faciles. Allez, encore un autre. Voilà. Alors, il y a un mode multijoueur, ouais. Mode solo, collection, je sais pas ce que c'est. Boutique, collection, c'est quoi? Ça doit être des bagnoles. Alors, est-ce que c'est mes bagnoles que je peux prendre? On va voir. Telle, là-bas, la voiture là-bas, à la Batman. Là-bas, si on peut la prendre, t'es. Ils donnent tout ça hein, en DLC. Ah, la voiture James Bond, Aston Martin. Ah, c'est cool ça. Je sais que j'avais vu la voiture. Ou quoi, la bagnole? Quoi, celle-là, elle est pas mal. Hop, on va prendre la voiture à Batman si on peut. La voiture de Batman, elle est où? Hop. Amélioration, véhicule, je peux pas la prendre, il me dit. Merde. Je sais pas pourquoi. Amélioration, allez, pourtant je l'ai dans mon garage, je comprends pas, je peux pas la prendre. Hein, ajouter le véhicule en favori. Amélioration. Attendez, je vais essayer comme ça, on va voir. Alors il y a un autre mode en haut, je sais pas ce que c'est ça, City Amber. Alors, on dirait que c'est peut-être des courses. Ah, c'est comme un genre de. D'histoire, on dirait. Un genre mode histoire. Allez, circuit. On va voir. On va essayer. Un tracé. Alors là, est-ce que je peux la prendre? Parce que si je peux pas la prendre, je suis dégoûté. Ah, si, je dirais que je peux la prendre. J'ai pris pas la voiture Batman, les gars. Alors, je sais pas comment ça marche après avec les points, comment on les débloque. J'ai vu qu'il y avait des coffres au début là, ça c'est cool aussi. Alors en principe c'est la voiture Batman, t'es. C'est la Batmobile les gars. Bon, je sais pas ce que c'est le véhicule qui est à gauche là, mais il est énorme. Mmh. C'est pas mal. Le turbo. Hop. Pas mal comme jeu. La Batmobile. Je ferai peut-être un live les gars sur ma chaîne Twitch pour vous montrer comment je suis bon, est parti là. C'est bon. Il est pas mal du tout. Pas mal de petits modes sympas. Les voitures sont assez cool, très bien fait. Après peut-être que la langue est un petit peu répétitif, peut-être. Mais je crois qu'il y a de quoi faire quand même pour débloquer les bagnoles. En plus, c'est sympa en ligne, ça va pas être mal aussi. Ça va être cool. Ah, il n'y a que ces effets de vitesse, dommage, les vibrations ici. Qu'on ressent pas. Ça aurait été un petit plus.
Joli ma petite Batmobile. Batman. Par contre les circuits je trouve qu'ils sont assez simples là. J'espère qu'ils sont plus durs après parce que sinon c'est un peu trop simple. Après ça peut être ce que le début je pense. J'ai vu des circuits qui avaient l'air pas mal. Par contre je sais pas si on peut créer son propre circuit. Je pense pas. Ça aurait été cool par contre. Vitesse. Alors si vous voulez mettre la musique, il y en a, elle est pas mal, mais moi je l'ai enlevée, vous savez toujours pourquoi. Ordinateur. Elle est cool, mais moi j'aime pas mettre la musique quand je suis en train de jouer un jeu de bagnole. Je préfère entendre le moteur. Elle a par contre c'est un turbo. D'accord. Je vais essayer de me mettre droit pour voir la bagnole sur le côté. Oh, merde. Elle est plus planée. Ouais, je conseille de faire le mode histoire. Hein. Je pense qu'il y a des voitures sympas à gagner en plus. Je pense que les courses vont changer au fur et à mesure. Par contre ce qui est bien c'est le drift. Ouais, ça par contre c'est pas bien. Voilà, avec le Y on revient. J'ai dû perdre du temps là, j'espère que j'ai pris assez de temps pour. J'ai toujours le premier. Voilà j'ai réussi. Ouais, elle est pas mal, vraiment sympa. Continuer, il y a même un mode ralenti si on veut revoir la course, c'était pas que je fasse après. Hop, on va aller voir. Là j'ai commencé, j'ai gagné un coffre, par contre on gagne les succès, ça y va, au fur et à mesure. Alors là, je peux changer la voiture, qu'est-ce qu'on va prendre comme bagnole les amis? Quoi faire hein, quand même? Oh, il y a la Daffy Duck. Elle est cool. Ah ouais, la fille qui attend encore. Est-ce que je peux la prendre? Ah ouais, je peux la prendre. Ah, c'est pas mal ça. Ah bah Marc, prêt. Je m'attendais pas du tout à un jeu comme ça. Moi je m'attendais à un jeu assez simple. C'est vrai que j'avais joué à une version sur PlayStation il y a très longtemps. Là je suis sur Xbox les amis. Xbox Series X. Et il était pas mal déjà à l'époque. Petit jeu sympa, arcade. Mais là on voit qu'ils ont mieux travaillé. Graphiquement les voitures sont vraiment belles. Après ça reste un jeu simple. Il se met un salon par contre. Ouais filet. Putain là de la filet. Ouais filet. Quoi les drifts. Je peux vous dire que la défi. Pensez à la prendre. Vraiment pas mal. Surtout si vous jouez en ligne. Je sais pas, j'ai pas vu les codes qu'elle avait, la vitesse tout. Ouh. En deux roues les gars, vous voyez ça le faut dire que je contrôle bien la caisse. C'est vraiment pas mal. Par contre la difficulté je vous conseille de monter parce que c'est vrai qu'en facile ça a l'air un peu trop facile même. Attendez pas que ça soit aussi facile les adversaires. Je pense qu'on peut même le mettre en dur. Hop, on prend pas de pénalité, c'est un jeu. Oh le turbo. Le truc qui est dommage c'est qu'on peut pas faire des petites figures, je pense pas. On aura des boutons mais je pense pas qu'on puisse en faire. On va y arriver les amis. Quoi le turbo? Sacré turbo là-dessus. Ouais, c'est bizarre, on voit pas la vitesse. Quelle vitesse on a? Oula. C'est un jeu qui est vraiment sympa pour jouer à plusieurs, avec plus jeunes aussi. C'est pas trop dur. Le freinage, glisser la bagnole, les freins, et c'est bon. L'accélération. Quand il n'y a pas d'autre vue, je vais en regarder derrière, dans des joueurs de vite fait, devant, non, il n'y a rien d'autre.
Ouais, c'est un petit peu facile. Mais elle est chouette, hein. Elle est pas mal, hein, franchement. Alors, petit ralenti, on va voir. Alors, changer. Est-ce que je peux changer les caméras? Non. Il faut rester appuyé, d'accord. Quoi, les fun, hein. Tiens, le wesh. Ouais, j'ai fait un petit montage. Ah, par contre, il y a la vue comme ça. C'est bizarre, là, on la voit. Ah, la vue. La vue capot. Alors, il y est peut-être. Je sais pas. J'avais pas vu, mais pourtant. S'il y a des vues comme ça, ça serait pas mal, par contre. Ça change, ouais. Mais je pense pas. Ouais. Je pense que c'est plutôt la vue de la vidéo. Ouh, j'ai fait le petit. Ouais, ouais, ouais. Oh, cool. Alors, on va continuer. Voilà, les amis, c'était pour le montrer, hein, parce qu'après, y'a rien de novateur dans le jeu. Boutique, contenu téléchargé, les options. Non, hop, je vais revenir au début. Pourquoi là-bas on les a enlevé le dinosaure? Hop, les options faciles. Ouais, je vais monter un peu plus. Collection. Toutes les bagnoles, je vais essayer de vous en montrer d'autres. Assez sympa. Allez, il y a les bagnoles aussi de. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc là déjà. Musclor, on dirait. La tête du Musclor, ouais, on dirait que c'est ça. Ah, c'est vraiment cool, hein. Ah, sympa. Grosse caisse. La tortue ninja. Ah, celle-là est pas mal. Les bagnoles et les tortues ninja aussi. Ah, ils ont pas mal de petites licences. Boutique, voir la surprise. Ah, je peux ouvrir mon coffre. Je peux l'acheter. Ah, c'est ici, j'ai un succès. Alors, est-ce que je peux ouvrir les coffres? On va voir les voitures que j'ai, débloquées. Alors, ouais, elle est pas mal. J'ai trois coffres. Pensez à les ouvrir, hein, quand vous faites des courses, les amis. Ah, elle est sympa. Ah, c'est pas les meilleurs qui donnent quand même. Ah, ça là, par contre, Audi. Ah, il a l'Audi TT. La dernière. Ah, elle est pas mal aussi. J'en ai plus. Hop. Alors, collection sous-sol. Ça, c'est quoi sous-sol? Alors, tant que ça charge. Ah ben si on peut créer. Ah ben voilà. Je crois qu'on peut créer son. Ah ouais, on peut créer le truc. D'accord. Voilà. Et ben je crois qu'on peut faire tout le coin. On peut créer son propre parcours, on dirait. Ah ouais, d'accord. On peut faire le canapé, changer les couleurs, les trucs de Noël, tout. Le billard. Ouais, c'est pas mal ça. On peut faire tout le petit décor. On dirait qu'on peut créer, ouais. J'avais pas vu. Mode rapide, course contre la montre, écran partagé, il y a d'autres modes, j'avais pas vu là. Track 1, circuit communautaire, éditeur. Ah ouais, pas mal de trucs à faire. Voilà, c'était pour le montrer, pour vous dire que c'est un bon petit jeu sympa. Voilà, il est gratuit en plus sur la Xbox, sur le Game Pass. Si vous êtes sur Xbox, il est gratuit. Allez, sur ce coup, moi je vous dis à plus. Pensez à me laisser un petit like. Pensez à vous abonner à ma chaîne MultiFrançois17. A plus. Ciao.